Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous présenter un logiciel que j'utilise régulièrement, c'est SketchUp. Je vais essayer de faire une série de vidéos qui vont présenter ce logiciel. Dans cette première vidéo, je vais simplement faire une introduction à ce logiciel, vous présenter un peu l'interface et les différents outils de base de SketchUp. Lorsque vous allez allumer SketchUp pour la première fois, il va vous proposer deux choix assez important. Premier choix, c'est, l'environnement de création. Donc, vous avez différents environnements, environnement verdoyant, environnement comme celui que j'ai ici qui est plus terne. Vous avez plein de différents environnements. Là, c'est à vous de choisir. Choisissez un environnement qui vous convient le mieux visuellement, qui vous attire ou qui vous fait moins mal aux yeux, quelque chose comme ça. Un truc agréable, choisissez un environnement agréable. Ensuite, vous avez un second choix qui va être celui de l'unité de mesure. C'est un choix qui est assez important. Ce choix d'unité de mesure va dépendre très fort de ce que vous faites comme type de création. Moi, dans l'ébénisterie ou le design, j'utilise le millimètre parce que c'est l'unité de référence de ces activités, c'est le millimètre. Donc, une fois que vous avez choisi tout ça, vous faites lancer SketchUp et vous allez arriver sur cette fenêtre. Vous n'allez peut-être pas avoir cette fenêtre-ci, qui est la fenêtre des outils, la palette d'outils. Je vous conseille de l'ouvrir parce que c'est quand même très intéressant d'avoir tous les outils à sa disposition directement, surtout lorsqu'on n'a pas envie de devoir retenir les différents raccourcis pour ces outils. Pour afficher ça, vous allez simplement dans Affichage, Palette d'outils, grand jeu d'outils, et à ce moment-là, vous avez directement votre grand jeu d'outils. Voilà, ici, j'ai fait disparaître, donc affichage, palette d'outils, grand jeu d'outils, et vous l'avez ici. Il y a moyen d'afficher d'autres fenêtres, ça, c'est à voir au fur et à mesure de vos créations. Si vous avez des outils qui reviennent plus régulièrement, vous allez pouvoir les accrocher directement à la barre d'outils ici au-dessus. Alors, quand vous êtes ici, donc sur SketchUp, on a un certain nombre d'éléments. Voilà, dans cette barre d'outils, on a un certain nombre d'éléments. Premier élément, les éléments qui sont ici en dessous, je vais dire qu'ils vont être de déplacement, qui vont permettre de vous déplacer dans votre modèle. Celui que j'utilise pour l'instant, qui est un système de rotation, d'accord, autour d'un axe. Donc vous allez pouvoir faire des rotations autour de votre objet. Un outil de déplacement panoramique. Déplacement gauche-droite, simplement, donc des translations autour de votre objet. Et ensuite, vous avez les outils de zoom, mais je vous conseille de ne pas utiliser les outils de zoom qui sont ici, mais d'utiliser tout simplement la roulette de votre souris. C'est beaucoup plus simple, ça va plus vite que d'aller chercher un outil. Petit truc, quand vous utilisez le zoom avec la molette, pour aller à un endroit particulier avec votre zoom, il suffit de le pointer avec votre curseur. Donc, par exemple, je veux pointer la moustache du personnage, je pointe la moustache avec mon curseur, et ensuite je zoome, et je vais directement zoomer dans sa moustache. Très pratique si vous devez zoomer sur une partie en particulier de votre élément par la suite. Alors, en parlant de ce personnage, il va s'afficher automatiquement dès que vous allez ouvrir une fenêtre SketchUp. Ce personnage, je vous conseille de le garder. Vous pouvez le déplacer si vous ennuyez là où il se trouve, mais essayez de le garder parce que, pour des créations pures, ça va vous permettre, en plus d'avoir les mesures très précises qui vont s'indiquer ici en dessous, vous allez avoir en plus un élément de proportion. Pour avoir un peu les proportions humaines de base, donc je pense qu'il fait 1m70, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas quelqu'un de très grand, mais c'est pas quelqu'un de trop petit non plus. Donc voilà, vous avez une idée un peu des proportions. Vous pourrez rapidement vous rendre compte si vous êtes gouré dans vos mesures, par exemple. Vous faites une table et vous vous rendez compte que la tablette de la table est à la hauteur de sa tête, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Alors, jusqu'ici, on n'a encore rien fait sur SketchUp, on va arriver aux éléments les plus intéressants et les plus importants pour faire de la création, c'est les outils de dessin et de création.
Alors, on a le crayon qui va vous permettre simplement de tirer des droites. D'accord. Cet outil de droite, on en reparlera plus tard, mais je vous conseille de ne pas l'utiliser pour créer des formes. Donc, si vous voulez créer des formes, rectangle, carré, rond, n'utilisez pas l'outil crayon. L'outil crayon ne sert vraiment qu'à créer des lignes dans ces formes, si vous voulez vraiment créer une seule ligne. Tout simplement parce que le problème de ces lignes, c'est que elles peuvent parfois se retrouver, voilà, ici par exemple, j'ai l'impression, voilà, visuellement d'avoir dessiné quelque chose de plat, mais dès que je bouge, ah ben, j'ai de la chance, ici il est plat. D'ailleurs, on aurait pu, certains auraient peut-être pu dire qu'il n'était pas plat et pourtant il l'est. Mais voilà, si je dessine comme ça, complètement à main levée, ah ben, il est encore plat. Voilà, vous voyez? C'est très compliqué de juger ce qu'on dessine avec le crayon. On va très rapidement voir un outil qui est la gomme, hein, qui permet évidemment de gommer. Si je reste cliqué, je peux sélectionner tout ce que je veux gommer. Voilà. Voilà. Sinon, le mieux, c'est outil de sélection. On sélectionne Delete ou Supprimer sur les Mac et ça disparaît. Alors, deuxième outil de dessin, on a le carré. Voilà, qui nous permet de dessiner un carré. Pareil pour les ronds et les polygones. Ensuite, dans les outils de dessin qui vont être comparables au crayon, on a l'outil qui va permettre de faire des arcs de cercle. On sélectionne les deux extrémités de l'arc de cercle, on trace l'arc de cercle, et avec l'outil gomme, moi je viens gommer ici, et déjà vous voyez qu'on peut découvrir une forme qui n'est pas directement tracée par un seul outil de SketchUp, mais par deux outils. On a fait un carré, un rectangle, a priori, et ensuite un arc de cercle. Tout ça, évidemment, tous ces outils-là, on les verra en détail par la suite. Dans différentes vidéos, si vous avez besoin de précision. N'hésitez pas aussi à en commentaire laisser des questions. Si vous avez des questions sur des éléments précis, j'y répondrai soit directement en commentaire, soit dans une vidéo prochaine. Alors, ensuite, une fois qu'on a créé des dessins comme cela, on va pouvoir utiliser les autres outils qui sont des outils donc de modification de ces éléments en 2D. Parce qu'ici, on a créé des éléments qui sont uniquement en 2D. Donc, on va pouvoir utiliser des éléments pour transformer ces éléments 2D en éléments 3D. On a cet outil ici qui permet d'extruder. Alors, on sélectionne une face, on clique, et soit on extrude vers le haut, soit on extrude vers le bas. Vous voyez ceci. Donc, le fait d'extruder comme ceci crée, hop, on reclique pour achever le fait d'extruder, et on se retrouve avec un élément en 3 dimensions. Voilà, on peut faire ça avec ceci. Alors ici, la technique, petit truc, quand vous montez, hop, vous allez pouvoir, par aimantation, SketchUp travaille beaucoup par aimantation, on va appeler ça de l'aimantation, il s'aimante automatiquement, hop, sur le dessus d'une autre forme qui est déjà faite. Si je ne veux pas, ben c'est pas grave, moi je me mets un peu à côté, un peu plus loin, et il va monter simplement ce que je lui dis. Voilà. Une fois qu'on a ces éléments-là, on va pouvoir les sélectionner. Double ou triple clic pour sélectionner l'entièreté de l'objet. Outil de déplacement, donc les quatre petites flèches. On sélectionne l'objet qu'on veut déplacer et on n'a plus qu'à le déplacer. Selon soit un des axes en particulier, et alors à ce moment-là, les pointillés de déplacement vont s'illuminer de la couleur de l'axe. Donc selon l'axe vert, l'axe rouge ou bien hop, l'axe bleu. D'accord. Donc on déplace hein, notre élément. Voilà. Second outil de déplacement, ben une rotation. Alors, on a notre outil de rotation. On sélectionne l'axe de rotation. On sélectionne le point zéro de rotation qu'on va mettre en général sur un des axes pour une meilleure précision. Je décide que l'axe rouge, c'est mon point zéro. Et ensuite, je fais la rotation et je reclique une fois que j'arrive à la rotation, à la fin de la rotation, au point final de la rotation. J'ai voilà mon objet qui a fait donc une rotation. Ça fait beaucoup de fois rotation dans une phrase. Voilà. Alors on a d'autres outils ici. Un outil qui va permettre de faire des échelles, donc rétrécir un objet si on s'est rendu compte qu'on l'avait fait trop grand, trop large, machin. Le truc auquel il faut faire attention avec ça, c'est qu'une fois, vous pouvez le voir ici avec la courbe,
ça bouge aussi ma courbe. Là, j'écrase complètement ma courbe, là, j'agrandis ma courbe. Donc, c'est vraiment une échelle. On va vraiment bouger tout. Donc, si... Mais ça, on le verra encore dans une vidéo plus tard. Si vous vous rendez compte que simplement votre objet ici devrait être plus long, mais garder la même courbe, il vous suffit de sélectionner un des côtés, l'outil d'extrusion, et vous extrudez votre objet. Il est plus grand, mais vous avez gardé la même courbe à cet endroit-ci. Ça, c'est important. On a ensuite ce dernier outil, qui est assez pratique. Je vais désélectionner la face. Pour désélectionner quelque chose que vous avez sélectionné, vous cliquez simplement à côté. N'importe où dans le vide, ça désélectionne tout. C'est ce qui est le plus rapide. Donc, on revient à cet outil qui vous permet de faire, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais même pas comment eux l'appellent, décalage. Voilà. Alors, je vais vous montrer. C'est ce qui est le plus simple. Voilà, ça fait ça. Ça décale, en fait, vos arêtes. Donc, vous vous retrouvez, une fois fini, avec ceci. On peut imaginer, hop, on vient extruder vers le bas. Pour être sûr d'arriver complètement en bas, on vient se magnétiser sur l'arête inférieure, puisque comme ça, on est sûr qu'on est descendu jusqu'à l'arête inférieure. On clique pour arrêter, et là, on a extrudé, et SketchUp supprime automatiquement la face inférieure, puisqu'il sait que normalement, il ne restera qu'une face. Si vous voulez, vous, garder un fond à cette boîte, il suffit de faire ceci, vous rajoutez une ligne et SketchUp va automatiquement refaire une face. Et voilà, vous avez réussi à créer déjà un objet de base, simplement avec un rectangle sur lequel vous avez fait une courbe, vous avez extrudé vers le haut, vous avez fait un décalage, extrudé vers le bas, et vous avez déjà un objet qui est creux. Tout simplement. Alors, ces différents objets, on va voir une dernière chose. Le mieux, quand vous faites une création, cette création va être composée de plusieurs éléments. Ici, j'ai trois éléments, par exemple, hein, cet objet-ci, cet objet-là et celui-là. Ces trois éléments peuvent s'assembler. D'accord? Je vais peut-être, imaginons que ces trois éléments doivent s'assembler. Le problème, c'est que, vous allez voir, si je prends cet élément-ci, je fais l'outil de déplacement, je viens le déplacer et je le magnétise à, par exemple, cette arête-ci. Voilà, mon élément maintenant fait partie, en fait, intégrante de tout l'élément. D'accord? Je l'ai accroché aux deux éléments. Le problème, c'est qu'avec SketchUp, maintenant, mes deux éléments font corps, ils ne font plus qu'un seul élément. Si je décide de rebouger cet élément polygone, eh bien, je vais bouger l'entièreté de mes deux éléments. Alors, ça peut avoir un intérêt, certes. Voilà, ici, je fais quelque chose d'assez, une petite rampe sympa. Mais c'est quand même très embêtant si, dans un meuble, vous avez un montant, une traverse, vous les assemblez, et puis quand vous tirez, les deux éléments s'attirent ensemble. Ça ne va pas. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour garder ces deux éléments séparés? Eh ben, c'est pas compliqué. Oula, pas maintenant. C'est pas compliqué. Vous sélectionnez votre élément, comme je l'ai fait ici, clic droit, créer un composant, vous donnez un nom à votre composant, ici on va garder composant 1, c'est très bien, vous faites Enter, et vous avez donc un composant. On va faire pareil pour celui-ci, créer un composant, composant 2, très bien, Enter, et on a un deuxième composant. C'est quelque chose à faire absolument quand vous commencez votre composant, votre pièce, vous faites une pièce, vous créez un composant. Une seconde pièce, vous créez un second composant, parce qu'on finit par l'oublier, il faut que ça devienne un automatisme. Une fois que vous avez ces composants, double-cliquez pour aller travailler à l'intérieur du composant, mais surtout, l'intérêt, c'est que maintenant, si je prends ce composant, je viens le magnétiser ici contre, je peux toujours le redéplacer de manière complètement libre. Voilà. Ça, c'est le très très gros avantage de fait de créer des composants. Alors, on verra après d'autres avantages des composants dans une vidéo suivante. En particulier, qui sera particulièrement faite sur les composants. Et là, vous allez découvrir un petit peu vraiment tout l'intérêt des composants en eux-mêmes. Donc voilà, j'espère avoir réussi à vous avoir fait un aperçu assez rapide, certes, mais complet de SketchUp, de ce qu'est SketchUp. Avec les éléments que vous avez ici, vous allez déjà pouvoir créer un certain nombre de choses. Donc j'espère avoir pu vous aider
à y voir un peu plus clair dans SketchUp. Avec ce que je vous ai appris ici, vous allez pouvoir commencer à chipoter un peu avec SketchUp. Vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses, de base en tout cas. Dans la prochaine vidéo qui s'affiche quelque part, je ne sais pas où, là quelque part, en tout cas qui devrait s'afficher quelque part sur l'écran, vous allez pouvoir découvrir comment taper des mesures précises. Donc quand vous créez un rectangle comme on l'a fait ici, ben, y a moyen de lui donner des mesures très précises. Pareil pour l'extrusion, etc. Ça, vous allez le voir ici, donc avec la vidéo sur les mesures. Et aussi, pouvoir voir l'intérêt des composants dont on vient de parler à l'instant. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Sinon, merci beaucoup et à bientôt dans une prochaine vidéo.